Bon, je sais que l'automne a commencé il y a déjà un petit moment. Puisqu'on est toujours en automne, autant parler de ces parfums qui sont tout à fait adaptés pour l'automne. Vous me connaissez, vous savez que je suis pas trop le genre de personne qui met ses parfums trop en fonction des saisons, mais vas-y, je me suis prise au jeu. Et puis en plus de ça, en passant sur YouTube et en regardant un max vidéo parce que je n'ai rien d'autre à faire de mon existence. J'ai vu qu'il y avait quand même quasiment dans toutes les vidéos que je regarde à chaque fois qu'on parle de parfums pour l'automne, genre fall fragrances, c'est que des gourmands, des trucs avec du caramel, du chocolat, des vanilles à tout va, hyper sucrés, etc. Et je me suis dit, mais pour les gens comme moi qui... Non, c'est pas trop mon truc. Nous, on fait quoi pendant l'automne? On pue? Non. Donc, je me suis dit, fais ta propre petite liste des parfums que t'aimes porter en automne, qui sont pas hyper gourmands, et vois ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parfums qui sont dans ma collection. Et il y en a 3 que j'ai mentionnés, même si je ne les possède pas. Parce que je trouve qu'il faut les mentionner. Et on va peut-être commencer tout simplement par ce que j'ai pas. Donc, numéro 1 des parfums. C'est pas dans un ordre de classement ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste comme ça. C'est This Is Her de Zadig et Voltaire. J'aime trop, trop, trop ce parfum. Il a vraiment une vibe automnale. La première fois que je l'ai senti, c'était en hiver. Je l'ai adoré, mais je trouve qu'il est vachement adapté à cette période de l'année. Peut-être que c'est le côté un petit peu bon châtaigne, crème fouettée et tout. C'est un parfum qui a dans les notes de la vanille, de la châtaigne, la crème fouettée, etc. Donc on peut se dire que c'est quelque chose qui va être hyper sucré, mais en fait non. C'est vachement enveloppant, c'est tout doux, ils sont super bons, mais sans être trop sucrés. Il y en a un petit peu, forcément, ça sent la chantilly un petit peu, mais pas trop. Je trouve que pour l'automne, c'est juste parfait. Il est crémeux, il y a de la vanille, mais c'est une vanille qui est intéressante et pas juste une vanille qui est là pour rendre la chose un peu sucrée et puis ça s'arrête là. Donc, numéro 1 de mes parfums d'automne, enfin mes parfums, vous avez compris, c'est This Is Her de Zadig Voltaire. Numéro 2 de ceux que je ne possède pas, et où bon, j'avoue, je fais peut-être un petit peu un écart, puisque je viens de dire, ah, pas les gourmands pour l'automne, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on en. Enfin, il n'y a pas que ça. Je tenais quand même à mentionner, de Juliet Has a Gun. Il ressemble vraiment beaucoup à Hypnotic Poison de Dior, mais il est un peu plus jeune, un peu plus fun. Hypnotic Poison, ce serait plus la mère et ce serait plus la fille, en gros, dans l'idée. Parce qu'il y a cette vanille et ce côté un petit peu amande, même s'il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de note d'amande dans le parfum de Juliet Has a Gun, mais il est vraiment très ressemblant par rapport à Hypnotic Poison. Il y a ce côté caramel et tout, mais la framboise est quand même assez présente, pas trop. Mais en même temps, il y a ce côté un petit peu gourmand et toujours un peu riant, un petit peu pétillant, tout ça que j'aime beaucoup. Donc, Juliet Has a Gun, number 2. Alors, le parfum numéro 3 que je voulais mentionner, que je ne possède pas mais que je trouve qui est particulièrement adapté à l'automne, ça aussi c'est un des parfums que je trouve, bon, tu peux le mettre toute l'année, mais en particulier en automne, moi j'aime bien toutes les senteurs un petit peu boisées, tout en ayant un petit peu de chaleur, j'aime trop. Et l'un d'entre eux, hein, que j'aime beaucoup, 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 c'est Euphoria de Calvin Klein. Pour moi, si vous connaissez Womanity de Mugler, c'est un petit peu genre la petite sœur un petit peu plus calme, tu vois. Genre Womanity, c'est la grande sœur que tu peux pas amener dans tous les lieux publics parce que tu sais que ça peut mal, tu sais que ça peut mal tourner. Et Euphoria, c'est un petit peu moins controversé, moins polarisant. Il y a ce côté boisé, assez sympa. En regardant les notes, tu pourrais penser que c'est juste genre hyper sucré et hyper fruité, mais pas tant que ça en fait. Il y a quand même une odeur florale assez subtile et je trouve qu'il est quand même vachement bien fait. Bon, les notes les plus proéminentes pour moi dans ce parfum, c'est définitivement la grenade, les notes d'orchidée, de lotus et de champaca. Je pourrais pas les différencier les unes des autres dans ce parfum, mais je sais que c'est ce cœur floral là qu'on sent et définitivement l'acajou. Mais c'est un bois qui est assez doux. Donc franchement, pépite pour l'automne.
La raison pour laquelle je ne l'ai pas et je l'ai jamais acheté, c'est parce qu'une fois que j'ai eu Womanity, je me suis dit que genre, c'est la même vibe, mais en plus subtil et en un petit peu plus understated. Donc autant avoir celui qui est le plus polarisant des deux, hein, parce que c'est un peu comme ça que je suis. On en a fini avec ceux qui sont pas dans ma collection. On va continuer avec ceux qui le sont. Et en numéro 4, on va parler d'un parfum qui, bah, assez paradoxalement, je trouve, est super pour l'automne-hiver, mais que je ne porte pas. C'est Fatal Intense de Agent Provocateur. Sans garder les notes, en le sentant juste comme ça, je trouve que ça sent, alors, chocolat, vanille et les fleurs. Donc dans les notes, lotus, rose, apparemment rose rouge et champaca. Voici les notes. Et en vrai de vrai, je pense qu'ils ont pas tout affiché. Parce que je trouve que vraiment, il y a un aspect chocolat en fait. Peut-être chocolat noir, chocolat au lait, tu vois, pas un chocolat forcément écœurant. Mais je trouve que cette note est assez proéminente quand même. Et c'est pas mon truc. Ils sentent très bon, hein. Et par exemple, pour tous ceux qui aiment les parfums assez gourmands et tout, assez sucrés, je pense que vous allez adorer celui-ci. Mais la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'était le côté épicé et genre un peu piquant que je n'ai pas retrouvé. Donc, il est très bien. Ils sont très bons. On va dire qu'il porte bien son nom. Si c'était un bout de tissu, ce serait vraiment du velours assez épais en fait. Côtelé. Donc voilà, ça c'est Fatal Intense. Super pour l'automne, super pour l'hiver, juste pas pour moi. Et ben on va passer d'un que je ne mets pas à un que je mets beaucoup. Et que j'ai mis tellement qu'il ne reste quasiment rien. C'est Mon Paris d'Yves Saint Laurent. Encore une fois, c'est un parfum que tu peux mettre toute l'année. Et puisque, enfin, visiblement, je ne me suis pas gênée. je l'ai depuis le lycée en même temps, donc quand même. Mais que j'ai énormément porté. Et je trouve que effectivement, la saison qui me rappelle le plus, c'est quand même l'automne. Il est fruité sans être trop sucré. Y a, en fait, je crois que c'est cette note de mousse de chêne qui donne vraiment cet aspect un peu original. Et en même temps, c'est quand même vachement féminin et girly. Il est très fruité. On peut quand même distinguer au bout d'un certain moment. Il est décrit comme un chyprès fruité. Et je pense que dans ma tête et dans mon nez, les chyprès égale automne. Le mélange du côté des fruits et puis en même temps de la mousse de chêne et du cèdre avec les notes florales, je pense que c'est ça qui fait que c'est un parfum qui est parfait de mon point de vue pour l'automne. Ça et celui que je vais vous présenter juste après, c'est vraiment sous la pluie, c'est perf. Je sais que c'est bizarre de dire un parfum sous la pluie, c'est là où il est le mieux. Je dis pas mouillé, juste quand il pleut, tu mets ça et genre je passe trop bien. La suite, je sais plus à numéro combien on est, hein. La légende, Miss Dior, l'eau de parfum. Ça, c'est pour moi le parfum d'automne. Si vous en avez qu'un seul, c'est celui-là. Je trouve qu'il est un peu, comment dire, pour les journées d'été par exemple, c'est un peu lourd. Pour les soirées, bon, soit. Mais ça, toute la journée, tout le temps, pour l'automne, pour moi, Miss Dior, c'est juste parfait. S'il y a une occasion où ça va me mettre mais dans une... Où, tu sais, vous savez, il y a certains parfums qui vont vous mettre dans une humeur où tu te sens un petit peu dans un film. Ça, un jour où il pleut des cordes et où tu dois quand même sortir, je mets ça et d'un coup je me sens en plus de... Je suis une victime de la météo. Hein. Je suis dans un clip, tu vois. Ça me donne un petit peu ce mood-là, donc ça c'est sympa. Encore une fois, c'est un chyprès. C'est rose, patchouli, il y a une petite note boisée qui est typique avec Miss Dior. C'est une signature olfactive unique. Tu mets Miss Dior, tout le monde sait autour de toi que c'est Miss Dior. Mon Paris, c'est pareil. Et il a quand même de l'original, ce côté un petit peu poudré. Il y a un esprit un petit peu vintage, mais sans une odeur très très vintage, sans la poudre très... très épaisse, on va dire. Si vous n'avez jamais senti Miss Dior de votre vie, qu'est-ce que vous faites? Et je parle pas de Blooming Bouquet, d'Absolutely Blooming, tout celle-là, bon, ça sent bon, mais c'est pas pour moi. Moi, mon coup de cœur, c'est l'eau de parfum
Et bon, Miss Dior Chéri, mais qui n'existe plus. Petite larme. Celui-là, je l'ai qu'en échantillon, donc je vous mettrai une photo. Ça, je pense que c'est soit t'adores, soit tu détestes. Moi, j'adore, mais. J'adore, mais. Donc vous allez comprendre après. C'est Experimentum Crookies de État Libre d'Orange. Alors, dans les notes, on a, il me semble, de la pomme verte, rose, patchouli. C'est compliqué parce que sur moi, sur ma peau, après moins d'une heure, la pomme, il n'y a plus, le litchi, il n'y a plus, et la rose, pas trop non plus. On sent quand même vachement fort, toujours, enfin après, après plusieurs heures, le miel, le patchouli, le bois d'akigala, et un petit peu de la note de rose. Mais pour que moi ce parfum soit absolument parfait et que je ne m'en sépare plus jamais, il aurait fallu plus de roses. Néanmoins, je trouve que c'est spécifiquement pour l'automne. L'hiver, je dis pas, mais spécifiquement pour l'automne, ça c'est juste incroyable. Les gars, le sillage et la projection, plus tu meurs. Hein, vraiment hyper fort. Tu t'assieds dans une pièce, tu pars de la pièce 5 minutes, tu reviens. Tout le monde sait que t'étais dans la pièce et tout le monde sait où est-ce que t'es allé. Donc si vous aimez les trucs discrets, les trucs légers, ça c'est tout sauf ça. Hein. Experimentum Crookies, ça n'est pas du tout léger. J'aurais aimé que la note de rose soit peut-être plus proéminente et soit pas noyée. En tout cas sur ma peau. Je pense franchement c'est un des parfums à sentir, même juste pour sentir, parce que je pense que c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas du tout. Ouais, moi je l'aime, hein, donc je vais le garder jusqu'à ce que je réussisse à faire un combo parfait avec peut-être un autre parfum pour bah, que je puisse le mettre genre en journée, etc. sans avoir l'impression au bout de 3 heures que je sens l'encens et puis c'est tout, quoi. Mais Experimentum Crookies de État Libre d'Orange. On va continuer chez État Libre d'Orange et celui-là c'est un parfum qui est beaucoup plus masculin que tous ceux que j'ai présentés avant. Même Experimentum Crookies qui pour moi est plutôt unisexe. Il s'appelle Fat Electrician. C'est automne comme hiver. Vétiver, marron glacé, crème fouettée, myrrhe, feuille d'olivier, vanille et opoponax. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en avais fait la description dans une autre vidéo où en gros j'avais dit c'est un petit peu comme entrer dans la bibliothèque de la maison de vacances de vos grands-parents avec le plancher qui craque et des vieux bouquins avec des... les couvertures en cuir, parce que il n'y a pas de notes de cuir dedans je crois, mais ça sent quand même un peu le cuir, un peu le bon la résine à cause de la myrrhe, et c'est quelque chose qui pour moi est agréable, bon à porter avec parcimonie hein. Mais je trouve que ça fait très automne hiver, les réunions de famille à Noël et tout, et bon si c'est ça que vous aimez, tentez. Ensuite, ça c'est une nouvelle découverte, on me l'a offert pour mon anniversaire, c'est de la part de Fatih, donc merci Fatih. D'ailleurs je sais pas comment est-ce qu'elle a fait parce que en plein dans le mille. C'est Sable Fauve de chez Yves Rocher. Je l'ai pas porté énormément mais je l'aime tellement. C'est Ciste d'Espagne, Fève Tonka et Benzoin. Alors pour le coup, il a pas ce côté boisé que beaucoup des autres ont, mais il est chaud, il est un petit peu épicé, il fait un petit peu vanillé, même s'il n'y a pas de vanille dedans. Pour moi, ça, c'est la fève de Tonka quand elle est bien faite. C'est sophistiqué, c'est chic, mais en même temps, c'est pas hyper mature, quoi. Ça fait pas genre maman ou grand-mère, que vous soyez une femme ou un homme. Il est assez sucré, un petit peu vanillé, ouais. Fève de Tonka, forcément, ça donne un petit peu ce côté-là. Et en même temps, avec du caractère, c'est vraiment... Ouais, je trouve qu'il porte bien son nom, Sable Fauve. Au niveau des notes, il n'est pas particulièrement complexe. Il est juste bien fait, quoi. Il est... riche sans être trop lourd. Il est sucré sans donner la nausée. Si vous aimez la vanille et la fève Tonka, vous allez, je pense, adorer celui-là. Il est un petit peu ambré, donc vraiment... parfait, genre dans le mille. Sable Fauve de Yves Rocher. Et enfin, le meilleur pour la fin, parce que oui, j'ai beau avoir énormément d'attachement aux autres, je peux dire objectivement, sans aucune hésitation, que
Abanita l'esprit de Molinard, c'est le meilleur parfum d'automne. Point. Oh mon Dieu. Il est tout doux. C'est vraiment. Bon, si cette fois-ci je devais comparer ça à un tissu, je dirais que c'est une écharpe vraiment toute douce en cachemire, mais peut-être plus épaisse qu'une écharpe en cachemire. C'est magnifique. Dans les notes, on a 6 de France, noix de muscade, citron, note de tête. En note de cœur, on a héliotrope, mimosa, rose et jasmin. Et en note de fond, on a musc, benjoin, patchouli et vétiver. Très honnêtement, il y a des notes là-dedans qui, à mon nez, sont des notes fantômes. Le vétiver et la rose sont quasiment inexistants à mon nez. Le citron aussi, j'avoue que pas tellement. En revanche, ciste de France, noix de muscade, musc et benjoin, si je devais résumer, j'utiliserais celle-là. Alors, oui, on sent qu'il y a quand même mimosa, jasmin, héliotrope, quand même, qui sont un peu discrètes, mais qu'on sent quand même. Mais c'est une odeur tellement crémeuse, tellement douce et sophistiquée, c'est classe, c'est le genre de. Tu peux le mettre au bureau, comme tu peux le mettre pour une soirée mondaine. Il est vraiment à l'image de. À la fois Abanita, qui est quand même ben, très capiteux, très. Profond, etc. Et en même temps, le côté blanc, comme la bouteille. En fait, c'est-à-dire la bouteille est une très très bonne représentation de ce que sent ce parfum. C'est. Oh. Voilà, s'il y en avait un seul que je devais mettre pendant toute la saison, ce serait celui-ci. Peut-être Miss Dior. Mais voilà, Abanita l'esprit. Si vous aimez les Narciso Rodriguez For Her, c'est exactement la même chose. Celui-là, il est quasiment identique au For Her, l'autre parfum, à la différence que la note de rose. On sent quasiment pas la rose dans celui-ci. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et donc, avec ça, j'ai terminé de parler de mes parfums préférés pour l'automne. J'espère que ça a pu vous divertir ou vous donner des idées, parce que si moi je dépense mon argent, il n'y a pas de raison que vous ne le dépensiez pas. Voilà! Bisous!